Il casse les codes en allant à la rencontre des soignants. Patrice Latron est dans l'échange direct et sans protocole. Il est venu pour comprendre le terrain et le quotidien du personnel, comme avec cette infirmière qui lui explique comment le service s'organise avec le manque de gants. Moi, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, on a trouvé une solution qui est peut-être un peu chère et excessive, mais on prend les gants stériles pour faire nos soins techniques. On n'a pas le choix, parce que sinon, y a des risques infectieux, de contamination. Il y a des risques aussi pour le patient qu'une voix qui est mal posée, c'est un risque infectieux aussi. Donc, en fait, on préfère prendre du stérile qui coûte plus cher le temps de pallier au problème. Avec l'encadrement, il passe en revue les points importants, comme les capacités des deux unités Covid. Vous n'avez pas de saturation des lits actuellement, c'est ce que nous, on voit sur les chiffres. Mais c'est important d'en témoigner, donc il n'y a pas ce souci. Chaque fois que... En fait, c'est des scénarios. À chaque fois qu'on arrive à saturation, on a aujourd'hui encore les capacitaires à développer. L'occasion pour Patrice Latron de se rendre compte par lui-même des problématiques de l'Ouest. Alors, on a vu qu'il n'y avait pas de problème de capacité. On peut accueillir tout le monde actuellement pour soigner les gens. Il y a des petits problèmes logistiques. Il manque des gants de petite taille, des gants en latex de petite taille, et des pyjamas opaques, parce que les pyjamas sont transparents. Voilà, c'est le genre de choses qu'il est intéressant d'entendre directement des agents. Un échange a eu lieu également avec les représentants du personnel des différents services et ceux de la réserve sanitaire. Et le temps d'échange fut très court, mais ça nous a permis quand même de poser deux demandes, à savoir la reprise de la dette en fait, de l'hôpital, qui a investi sur ses fonds propres plus de 110 millions pour la réalisation en fait, de l'hôpital. Et aussi, en fait, la nécessité d'un hôpital à Maripasoula. Alors que le CHU cristallise un petit peu les demandes, il était important pour nous de signaler un petit peu tout ça parce que le bassin du Haut-Maroni regroupe plus de 35 000 personnes et il faut qu'il y ait une égalité de soins sur ce territoire. Le pic est probablement passé à Cayenne. C'est l'une des données de la réunion de la cellule de crise. L'épidémie se déplace et pour Saint-Laurent, le pic est attendu. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.